Son aventure n'aura duré que quelques semaines. Vendredi 30 septembre 2022, à l'issue du 4e prime de danse avec les stars, sur TF1, CIST, la chanteuse Eva Queen et le danseur Jordan Mouirac qui ont été éliminés. Lors de sa dernière performance de la soirée, la jeune femme avait eu la surprise de voir sa sœur, Jazz Correa, partager un morceau de la chorégraphie à ses côtés. Avant sa prestation, la star de la JLC Family avait déclaré devant les caméras, « À chaque fois que je parle d'elle, je suis un peu émotive parce que c'est vraiment ma fierté, l'amour de ma vie. On partage tout avec Eva, on a tout fait, mais on n'a jamais fait de la danse. Là, de me retrouver avec ma sœur, devant un public, ensemble, ça fera partie d'un de mes plus beaux souvenirs qu'on pourra mettre dans notre journal de sœurs. » Suite à l'élimination de la chanteuse, de nombreux internautes avaient accusé Jazz Correa d'en être la cause. Dimanche 2 octobre 2022, en story, sur Instagram, CIST, alors qu'un internaute lui a demandé si elle n'avait pas l'impression d'avoir favorisé l'élimination de sa sœur que la mère de trois enfants a lâché, « Absolument pas, premièrement, il n'était pas noté sur les invités mystères et deuxièmement si la production ou le jury ne me voulait pas, je n'aurais pas été invité. » Et pour finir, le public, notre public, a tenté d'unir nos communautés pour sauver Eva, mais cela n'a pas suffi. Bravo Thomas da Costa. Évoquant la note basse de Chris Mark, elle a ajouté, Chris est un grand danseur, moi, je n'y connais absolument rien donc oui, il a certainement raison dans ses paroles et ses conseils. Eva Queen, je sais que je me suis beaucoup trompé sur le plateau, si est-il le sourire aux lèvres qu'Eva Queen avait déclaré, je suis trop contente, j'ai passé une super aventure, j'ai découvert que j'aimais la danse. Si est-il déjà un truc cool. Je savais que je n'étais pas une performeuse super géniale et que je n'étais pas Billy Crawford. De base sur scène, je ne danse pas beaucoup parce que je n'ai pas confiance en moi et là avec trois primes. Je suis trop fière de moi, ça me suffit. En toute transparence, elle avait ajouté, après bien évidemment ce soir, je sais que je me suis beaucoup trompée et ce n'était pas mérité pour moi de rester puisque les autres ont fait des meilleures performances que moi ce soir. Si est comme ça, si est le jeu. Mais j'ai fait des super rencontres, je suis super contente d'avoir fait cette émission avec vous.